Bonjour mes amours, comment allez-vous? J'espère que bien. Moi, je vais bien. Je suis encore à Paris. Parce que là, je suis là. Il faut que vous veniez résoudre vos problèmes, je veux dire, prendre vos produits que j'ai ramenés. Ceux qui sont dans mon groupe privé, ceux que j'ai déjà trouvé vos plantes de naissance là, j'ai ramené vos plantes, plus vos sacrifices, vos offrandes. Donc, envoyez un message à mon assistante pour récupérer vos produits. OK? Mes amours, aujourd'hui, je vais vous donner le secret que mes collègues, mes confrères ne diront pas. Ah oui, parce que c'est un secret de toutes les façons. Et parce que aussi, si ils donnent ça gâte un peu le business. Parce que quand vous connaissez déjà ça, vous n'avez plus besoin vraiment de passer chez nous. Surtout chez les marabouts. Voilà, parce que c'est eux qui ont plus et qui ont pris ça vraiment pour faire un secret où vraiment on laisse personne avoir ça. Le secret, c'est quoi? C'est votre plante de naissance. Parce que chacun est venu au monde avec sa plante. Vous voyez, moi, ma plante est là. Et supposons, tu t'appelles Doumbia, un Sali ou bien un Koulibaly, Ramata, vous avez une plante de naissance à vous. Donc, le fait de connaître votre plante de naissance, ça résout votre problème de 99%. Ça veut dire que tu es bloqué, rien ne va, tu ne comprends plus rien dans ta vie. Va chercher ta plante de naissance, lave-toi avec. OK? Ton problème sera résolu à 99%. Voilà pourquoi mes collègues et confrères ne voudront pas que vous le sachiez. On ne veut pas que vous connaissiez votre plante de naissance parce que si tu as ta plante de naissance, qu'est-ce que tu viendras chercher chez nous, les spiritualistes? Parce que déjà, ton problème sera résolu à 99%. Si tu as vécu des problèmes de sorcellerie, vraiment, que tu es dedans même à fond, il suffit de prendre ta plante de naissance pour te laver. Ça résout le problème à 99%. Voilà. Donc, pour les femmes, si tu es une femme, tu vas prendre 4 boules de ta plante de naissance. Si tu es un homme, tu vas prendre 3 boules. Maintenant, les femmes, pour que le bain soit très fort, on dit déjà dans les 4 jours que tu vas te laver, tu ne dois pas laver du savon. Pendant tous les 4 jours, ça veut dire tous les soirs, tu dois laver ta plante. Le matin, tu te rinces abondamment avec l'eau, mais pas avec le savon pendant les 4 jours. Mais si c'est difficile pour vous, vous pouvez faire sur 2 jours. Ça veut dire que vous lavez la plante, votre bain matin et soir. Toujours pas de savon matin et soir, ça fait 2 jours. Mais vous êtes lavé 4 fois. Les hommes, pour vous, c'est 3 fois. Vous devez vous laver ces 3 jours. Et les 3 jours aussi, vous pouvez faire l'effort de ne pas vous laver avec le savon pour que votre bain de naissance rentre vraiment en communion avec vous. Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui ne sont pas mes protégés. Voilà ce qu'on va faire. Je vais mettre la vidéo sur ma page Facebook. Vous allez juste mettre votre nom et prénom et je vais faire la liste et vous envoyer vos notes et votre plante de naissance. Parce que j'ai déjà commencé avec d'autres après, voilà. Donc, je vais le faire. Maintenant, ceux de l'Hexagone et autres, vos plantes de naissance, vous pouvez commander ça à mon cabinet ici à Paris parce que j'ai ramené les plantes, les offrandes et tout et tout. Donc, il suffit de prendre contact avec mon assistante. Et vous allez récupérer tous vos plantes et autres, ok? Maintenant, ceux qui ne sont pas mes protégés, qui sont quand même mes abonnés, et vous allez déjà aimer la chaîne et venir mettre votre nom en commentaire sous la vidéo. Et je vais vous répondre, je vais vous donner votre plan de naissance, Inch'Allah. Ok, mes amours, c'était ma petite vidéo pour vous. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Aimez la vidéo. À très bientôt. Bisous.